que je vous parle des super gels de Rimmel London. Oui, pour moi, belle découverte, un coup de cœur, je vous en parle tout de suite. Donc, ce sont les nouveaux vernis de chez Rimmel. En allant faire mes courses, j'ai vu ça et j'avais déjà vu une vidéo de Lordoz Makeup, vous savez la youtubeuse qui a les cheveux rouges, qui en avait parlé et je me suis dit, sa vidéo était pas mal et je me suis dit pourquoi pas. En plus j'étais dans le vernis semi-permanent avec, vous connaissez maintenant le site Passimea, donc là je me suis dit... Ouais, en plus, depuis l'année dernière, on fait que de parler des vernis 2 en 1, des vernis semi-permanents. Il y a eu la marque Revlon qui a fait ce concept-là aussi l'année dernière. Et du coup, je me suis dit, je ne les avais pas testés Revlon. Je me suis dit, pourquoi pas tester Rimmel. En plus, promotion dans mon Super U, normalement, il tourne autour de 8,50€ hein, au supermarché. Vous pouvez bien sûr les retrouver sur Amazon. Et il y a aussi, alors je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, mais je sais qu'il y a aussi les promos Leclerc en ce moment et on peut les retrouver au moins à 5,90€. Alors ça va être des vernis qui vont avoir la particularité d'avoir déjà une brillance par eux-mêmes quand on les applique seuls. Et ensuite, on va avoir un top coat qui va avoir le fini vraiment d'un vernis semi-permanent sous lampe UV. Là, il n'y a pas besoin. Donc, il va y avoir 20 teintes. Et 10 d'entre elles, elles ont été choisies par leur égérie, vous savez, qui est Kate Moss. Ils ont aussi une nouvelle formule qui va promettre une brillance. Et là, j'ai été étonnée que quand déjà on applique le vernis seul, on a une brillance. Et quand on applique encore le top coat, là, nos ongles, ils sont un vrai miroir. J'étais vraiment très surprise. En plus de ça, ils se retirent très facilement. J'aurais pas cru parce que je mets 2 couches et ensuite le top coat, donc ça fait 3 couches. Je vais pas dire que c'est épais, mais quand même. Et je me suis dit, il va s'enlever au vernis, donc je vais essayer avec le vernis sans acétone. Et ma foi, il s'enlève vraiment très bien. Voilà. Donc en fait, à la base, il a été intégré dedans une formule qui permet d'appliquer le vernis directement sur l'ongle. Il n'y a pas besoin de mettre une base et ça, c'est génial. Vous pouvez appliquer directement votre vernis direct sur l'ongle parce que à l'intérieur des vernis, il y a une base déjà. En plus, le pinceau, je vais vous le montrer juste après, il a, on appelle ça sous le format d'une langue de chat, il est très large et ce qui prend tout l'ongle. Et ça, moi, j'aime bien parce qu'en un passage, on a pratiquement toute la surface de notre ongle qui fait. Et au niveau de la tenue, c'est vraiment, moi, j'étais bluffée. L'application, la tenue, la brillance, ça a été vraiment un coup de cœur. Voilà. Alors, le seul petit bémol que je vais dire, c'est que la couleur la plus claire va vraiment nécessiter 2 passages. La couleur comme la rouge, un seul passage, ça peut suffire. Mais 2, c'est encore royal. Donc, voilà pour ces vernis. Alors, j'ai pris le 43 en teinte Vénus. Et j'ai pris le 12 sous le session que j'ai et que je mets pour aller au travail. Et il se présente comme ceci. Là, j'ai fait exprès pour vous faire la vidéo. Vous voyez la brillance. Je suis dans ma 2e semaine. Oui, regardez cette brillance de vernis. Et il commence à partir. Alors là, par contre, hier, je me suis accrochée au niveau du boulot. Je ne sais pas si on peut voir. Ouais, il est parti. Mais regardez-moi ça. La brillance, j'ai qu'une couche plus le top coat et là je suis dans ma 2e semaine. Mais vraiment, là ça a été, je crois que 2016, on a une sacrée belle découverte. Ça a été vraiment une belle découverte. Vous avez une panoplie de couleurs, je vous dis, vous avez au moins 20 teintes. En passant un peu par l'orangé, le rose, le fuchsia, du plus clair au plus foncé, du nude comme ceci. Moi j'aurais bien voulu il y a un rose un peu pastel, mais j'aurais bien voulu un peu un blanc comme ça, mais beaucoup plus clair. Il manque une teinte comme ça. Mais alors vraiment top. Alors au niveau du pinceau, je vais vous montrer tout de suite. Et ensuite, le séchage du vernis, là aussi j'étais bluffée, ça va très très vite. Hop. Voilà le pinceau. Il est vraiment épais, il est fin et épais.
L'application, je vous dis, mais en une seule couche, mais j'étais bluffée. Par contre, je vous dis, le clair, celui-ci en tout cas, il vous faut deux couches. Moi, j'en ai mis qu'une. Et bah, vous voyez quand même, on ne voit pas de stries. C'est surtout au niveau de l'ongle qu'on peut arriver à voir en dessous. Mais il n'y a pas de stries. Ce n'est pas comme certains vernis qui sont, on va dire, épais et mat comme ça. Bon, là, ils sont brillants en même temps, mais où il faut passer plusieurs couches de vernis. Non, 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 pas du tout. Et le top gel, donc je vais vous le montrer aussi. Donc, vous appliquez votre vernis normal. Vous attendez un petit chouïa et vous appliquez voilà, le même pinceau. Votre top gel est vraiment génial. Alors bien évidemment, au départ, je vous conseille de prendre un kit comme ceci. Ça vous viendra moins cher que tout prendre séparé si vous arrivez à trouver. Et ensuite, vous pouvez prendre vos couleurs. Moi, c'est les deux seules couleurs parce que moi, c'est les extrêmes. C'est soit cette couleur-là ou soit celle-ci ou que je mets plus pour le boulot et du nude. Mais entre pour le moment, il n'y en a pas avec lesquels j'ai accroché. Je suis un peu très difficile au niveau des vernis. Mais en tout cas, je tenais vraiment à vous faire cette revue parce que pour moi, c'est un grand coup de cœur. Ça a été comme les vernis semi-permanents avec les lampes UV, les lampes LED ou que j'aime bien et que là, ça y est, j'ai passé un peu le cap, j'en fais beaucoup moins. Et par contre, là, j'ai découvert ça. Et quand je vous dis l'effet, mes ongles, je l'ai fait deux fois. Une fois en nude comme ça, une fois en rouge, n'ont pas été jaunes en dessous parce que comme je vous ai dit, vous avez la base en plus qui est inclus dedans. Ça n'abîme pas du tout vos ongles comme le vernis semi-permanent pourrait. Et surtout, quand on enlève ce vernis-là avec le dissolvant, c'est pas galère non plus quoi. Voilà, donc je tenais à vous faire cette revue-là pour vous faire découvrir ça parce que c'est vraiment topissime. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.